Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Dakar et notre invité est le Premier ministre Amadou Ba. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Christophe. Alors Monsieur le Premier ministre, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle. C'est votre baptême du feu, cette élection qui est prévue dans quelques semaines. Avec pas moins de 19 candidats face à vous, beaucoup estiment que c'est l'élection la plus incertaine de l'histoire du Sénégal. Pour commencer, une question toute simple, est-ce que vous êtes convaincu de gagner dès le premier tour ou est-ce que vous préparez d'ores et déjà des alliances pour un second tour ? Je vous remercie d'être venu pour cet échange. Je suis très satisfait de vous accueillir, je pense qu'on en a souvent parlé. Maintenant, revenant aux élections, je voudrais vous dire qu'on est une élection très ouverte, parce qu'on a quand même 20 candidats. J'ai le privilège d'appartenir à la coalition la plus forte, la plus organisée, et il n'y a pas de doute, de mon point de vue, que nous passerons au premier tour. Alors, cette élection du 25 février, elle va se tenir sans deux des principaux favoris, Ousmane Sonko et Karim Ouad, dont les candidatures viennent d'être rejetées par le Conseil constitutionnel. L'élection ne sera donc pas inclusive. Est-ce que vous le regrettez ? Je ne pense pas qu'une élection avec 20 candidats soit une élection qu'on peut considérer comme n'étant pas une élection inclusive. Je pense que c'est pour la première fois, le Sénégal a organisé 11 élections, et c'est pour la première fois qu'on atteigne le chiffre de 20 candidats. Maintenant, effectivement, il y a deux personnalités qui n'y sont pas. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Nous sommes un pays de droit et nous respecterons les règles de droit. Alors, l'un d'entre eux, Karim Ouad, vous accuse nommément d'avoir été l'instigateur du rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel en ravivant la controverse sur sa nationalité française. Je vais le citer, il vous qualifie de spécialiste des coups bas et d'homme très peu courageux. Que répondez-vous à Karim Ouad ? Je regrette qu'il ait eu cette attitude et ses propos à mon endroit. Je pense que je n'ai pas besoin de passer par des entours. Enfin, d'user de certaines pratiques pour m'opposer à la candidature de Karim Ouad. Je pense que politiquement, tout a été fait pour que Karim Ouad soit candidat. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et le recours n'a pas été fait par moi. Je suis désolé, je regrette. Vous n'êtes pas à la manœuvre. Je ne suis pas du tout à la manœuvre. J'ai fait des recours concernant deux candidats, donc c'est dire qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il a été mal informé, mais bon, je pense que c'est une affaire qui est oubliée, qui est dépassée. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très ouvert pour travailler avec tous les segments de la vie politique qui croient à la liberté, qui croient à la démocratie. Du côté de l'autre grand exclu de ce scrutin, Ousmane Sonko, tous les regards se tournent vers son principal lieutenant, Bassirou Diomaye Faye, qui lui a le droit de se présenter, mais qui est en prison en attente d'un jugement. Alors, au nom de l'équité, ça c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, au nom de l'équité entre tous les candidats, est-ce que vous souhaitez qu'il bénéficie d'une mise en liberté provisoire afin de pouvoir faire campagne, comme tout le monde ? Je pense que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes un pays de droit. Il y a une séparation stricte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La preuve, moi-même, j'ai fait un recours contre ce candidat. Ce recours a été rejeté. Maintenant, il est incriminé dans une autre procédure. Il lui appartiendra, avec ses conseils, d'user des voies de droit. Je pense que je n'ai vraiment pas de préférence en ce qui me concerne. On va parler politique. Vous avez donc été désigné par le camp présidentiel au mois de septembre, suite à la décision du président Macky Sall de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Vous êtes donc un candidat par défaut ? Candidat par défaut, non. Le président Macky Sall a décidé volontairement de ne pas se présenter. Et il a entrepris des consultations pour que la majorité puisse avoir un candidat. Et je pense que des consultations, il est ressorti que je devais, en tout cas, assumer cette responsabilité. Et je mesure l'ampleur et l'envergure des progrès qui ont été réalisés sous le magistère du président Macky Sall. Maintenant, il m'appartient de travailler à faire encore plus,
à faire encore mieux et à faire encore plus vite. C'est ça aujourd'hui la demande, l'aspiration la plus forte de nos populations. Alors dans le camp présidentiel, vous ne faites pas l'unanimité, puisque certains vous reprochent d'être un militant de la 25e heure, à tel point que vous allez faire face notamment à 3 candidats dissidents de votre propre camp. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous faire perdre des voix précieuses? Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Je pense que leur place, c'est dans la majorité. Nous avons pu construire une majorité très forte. Certainement, du point de vue politique, c'est la majorité, c'est en tout cas la coalition qui a quand même l'existence la plus longue. Je pense que ça, il faut le reconnaître. Maintenant, l'unanimité n'est pas de ce monde, mais je ne désespère pas de les voir revenir, parce que leur place est dans la majorité pour qu'ensemble, qu'on puisse faire ces élections, les gagner et gouverner ensemble. Et qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le Premier ministre, à votre propre ministre du Tourisme, Mam Bai Nyang, qui dit à votre propos, on sait qu'il va perdre, il ne passera même pas le premier tour. C'est son appréciation, je regrette qu'il y ait des propos de cette nature, mais je pense que le 25 février, je serai élu au premier tour, et dès le premier tour. Alors, depuis que vous êtes Premier ministre, les jeunes Sénégalais sont de plus en plus nombreux à prendre la mer en direction de l'Europe, souvent au péril de leur vie. Quand vous voyez ces jeunes partir, est-ce que vous ne dites pas « on a échoué » ?– Échoué, non, ça fait très mal. Parce que ces jeunes sont utiles à notre pays. Le Sénégal a 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants, ce n'est même pas un marché qui peut permettre au pays d'aller à l'émergence. Je pense qu'il faut encore beaucoup plus de personnes. Mais maintenant, nous sommes un pays en voie de développement, ça aussi, il faut l'admettre. Nous sommes aussi dans un monde ouvert, dans un monde de plus en plus interdépendant. Mais je pense que leur avenir, c'est ici, dans ce pays, et nous, sur ce mandat, c'est un focus pour nous permettre de démultiplier l'emploi. Je dis maintenant que les fondamentaux sont là. Parce que vous ne pouvez pas vouloir créer des emplois alors que la question de la mobilité n'est pas réglée, la question de l'électricité n'est pas réglée. Aujourd'hui, nous avons quand même une disponibilité. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, mais nous avons de quoi pouvoir, en tout cas, partir des éléments que nous avons pour multiplier le potentiel de croissance. – Alors sur la question de la paix et des droits de l'homme, l'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport très sévère sur la répression préélectorale au Sénégal. L'ONG affirme que dans tout le pays, près de 1000 partisans de l'opposition ont été arrêtés depuis les premières émeutes de mars 2021 et qu'ils sont détenus dans des conditions très pénibles, entassés la nuit les uns sur les autres. Alors au-delà de l'éternel problème séparation exécutive judiciaire dont vous parlez souvent, si vous êtes élu, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous vous engagez à faire preuve de clémence à l'égard de tous ces prisonniers? Si je suis élu, aujourd'hui, c'est d'accélérer toutes ces procédures judiciaires pour qu'on ait le dénouement dans le délai le plus rapide. Nous travaillerons à réconcilier les Sénégalais, mais en permettant à la justice de s'acquitter, de faire son travail le plus normalement possible. Ce qu'on doit éviter, c'est tous ces arrangements après qui nous créent quelques difficultés. Je pense qu'un état de droit doit rester un état de droit en toutes circonstances. Maintenant, il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui sont en tout cas accusés, qui sont détenus, je ne connais pas le nombre exact, que ces personnes soient jugées dans les meilleurs délais possibles. Oui, ça je m'y engage. Il faut que, dès la fin des élections, qu'on en fasse une priorité absolue, qu'on traite les dossiers, et à partir de ce moment, le pouvoir exécutif aura le pouvoir, on aura la possibilité d'apprécier et de voir un peu, peut-être dans un élan de recherche de paix, de stabilité, comment faire pour que l'ensemble des Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire c'est de travailler pour le pays. – Alors je veux venir un petit peu à l'actualité dans la sous-région, les putschs, les coups d'État se sont multipliés. Alors on a vu la CEDEAO sanctionner, on a vu des menaces d'intervention militaire, on a vu des promesses de la part des militaires que les transitions seront courtes, mais il faut bien se rendre à l'évidence, les juntes dans ces pays-là s'accrochent au pouvoir. Alors est-ce qu'il n'est quand même pas temps de changer de stratégie vis-à-vis de ces putschistes? Certainement, il faut changer de stratégie. Il faut qu'on aide ces pays à sortir un peu de ces situations et peut-être d'avoir une autre approche. Parce qu'on a vu,
que l'approche qui consiste à donner, à faire des ultimatums, à prendre en tout cas des sanctions qu'on n'applique pas ou qu'on ne peut pas appliquer tout simplement, parce que les conséquences vont être beaucoup plus difficiles pour les populations. Je pense qu'il nous faut changer d'approche et veiller à ce que l'on soit dans un espace où la liberté et la démocratie régnera. Je pense qu'on doit pouvoir s'entraider à ce niveau-là, nous parler entre nous. Avec y compris avec les militaires, leur tendre la main peut-être ? Leur tendre la main, oui, il faut échanger, il faut discuter avec eux. Il y a une réalité qui est là. Les militaires sont au pouvoir. Maintenant, il faut organiser des canaux pour ne pas permettre que justement que ça soit la voie la plus facile pour accéder au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus penser aux populations qui étaient déjà dans des situations très compliquées, très difficiles, et il faut les aider, échanger avec les autorités aujourd'hui qui sont là-bas pour pouvoir permettre, en tout cas, d'organiser des transitions les plus courtes possibles, permettre à ces populations de choisir librement leurs dirigeants. Je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur ces questions. Le franc CFA est une monnaie très décriée par une partie de l'opinion publique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, pour qui cette monnaie est une survivance de l'époque coloniale. Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer cette monnaie? Je pense qu'il y a eu des changements quand même depuis 2 ans. Je pense avec la garantie française, il y a toujours une garantie française, mais le compte d'opération n'existe plus. Maintenant, des évolutions sont attendues. Je pense qu'on ne peut pas. Nous avons intérêt, en tout cas, nous, pays africains, membres de l'UEMA, à rester ensemble. Je pense que moi, je suis un partisan de l'intégration. Il faut qu'ensemble, qu'on puisse continuer à avoir notre propre monnaie, une monnaie commune. Je pense que cela est extrêmement important. Et demain, dans le cadre de la CEDEAO, le projet en cours, qu'on ait pour les pays membres de la CEDEAO une monnaie commune. On a eu des acquis indéniables liés à la stabilité. Maintenant, une coopération, elle est toujours revisitée et je pense qu'elle est adaptée à la situation de l'heure. Je pense qu'il y a eu aujourd'hui un retrait de la France, il faut quand même le constater au niveau des instances. Il y a une garantie qui est là, qui est formelle. Je pense que c'est une question que nous allons évaluer parce qu'il ne peut pas être un président qui… Je ne peux pas être dans le populisme, ça ne me semble pas être la voie la plus appropriée pour aider nos populations. Il faut concilier l'ensemble des exigences et mon souhait, c'est de défendre les intérêts de mon pays et de la sous-région. Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos 2 antennes, France 24 et Radio France Internationale. Merci.